Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Ici Pilobil, j'espère que ça va bien, on est sur la Club TV, on va continuer notre aventure sur Banjo et Kazooie 2. Mais j'ai l'impression que ça sera après, mais il faudra voir si on a bien le son du jeu, parce que la mise à jour OBS a déjà déréglé le micro, donc on verra si ça... On a bien du son, en tout cas j'espère que vous avez passé une bonne journée en ce milieu de semaine et que vous êtes prêts pour voir... La suite de ce jeu rétro de la Nintendo 64. Banjo et Kazooie. Salut Knight, comment vas-tu? Alors, est-ce qu'on entend le son du jeu? Apparemment, pas du tout. Si je fais ça, on entend des choses. En principe, on devrait entendre le son du jeu. Hein. Salut Cypher, précisez-le-moi bien, s'il vous plaît, si vous entendez bien la petite musique du jeu, quand j'arrêterai de parler. En tout cas, j'espère que ça va bien. On était ici le désert de Go, le désert de Gobi. On est où? On a 75 notes de musique. Il faut que je trouve entre autres Bottles, notre taupe, pour m'aider. Ah oui, y'a vous. Pour m'aider à acquérir la dernière compétence qu'il me faut en tout cas pour pour l'autre niveau là, le niveau de la maison hantée. Oula, il y a une. On se fait agresser par des mains. Et ça fait encore quoi ça? C'est peut-être déjà fait. Ah. Normal l'ouverture. Normal ça. Ah ouais, non mais j'ai pas le temps. Surtout avec le... Ouais, surtout si je pars déjà du mauvais côté. Mais le fait que le décompte compte commence alors que je sois encore en cinématique, ça c'est pas ouf. On va faire avec. Salut gamers, comment ça va aussi? Tu viens dans l'heure, pas de soucis. On entend ça, va, tant mieux. J'espère en tout cas que vous allez tous bien. Alors moi, je veux vite fait ça. Il n'y avait pas un truc qu'on avait fait là, on était passé à l'intérieur en volant. Je crois qu'il faudra le faire. Il faudra le refaire pour être sûr au cas où. Ah, ou passer peut-être dans l'autre. Ouais, mais non. J'ai vu une information, mais je la vois absolument pas du tout. Une pyramide avec une statue de mes deux persos, apparemment, ou au moins un des deux. On a le sphinx. Ça, c'était par là, c'était le début du niveau, hein. Le chameau qui avait soif, là on a de la vie mais on a des abeilles, on essaie de faire gaffe, parce qu'on essaie quand même de récupérer toutes les notes de musique. Normalement on y avait été là-bas. Ouais, tout ce que tu veux. Mais plus tard. Quel enfer. Pas passer par là. Ah, ça doit être. Là, caché. Alors, comment on te parle encore? Voilà, monsieur Bottles, on va pouvoir récupérer le pouvoir magique. Salut Vitini, comment ça va? Alors, ah mince, les chaussures une fois au pied, ta petite poule pourra courir comme le vent. Pendant un certain temps. Ah, flûte, ouais, j'ai... Bah, normalement, il me disait qu'il y avait plus de technique à apprendre. Cette technique, donc, va pouvoir me permettre de rentrer, entre autres, dans la pyramide d'en face. Récupérer, donc, dans la maison hantée, ce qui... C'était dans celui-là, hein, ce qui nous manquait.
pouvoir faire ça aussi. Hein. Je crois qu'on n'avait pas, on n'avait pas pu le faire, il me semble. Ouais, on est d'accord. Mais une autre fois, on a dit. Tu n'écoutes pas. Ah, mais les chaussures sont là-bas. Il y en a. Ouais, il n'y en a pas ici, des chaussures. Hein. Il n'y en a pas ici. Hein. Ah, quelle galère. On va rentrer. Non, 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 pas par là. Quel plaisir. Quel plaisir ce son. J'espère qu'il vous avait manqué en 2 semaines. Et du coup, Pilo, c'est à cause de quoi? Bon, rien, j'en sais absolument pas. Problème de box et tout. La co qui était pas là ce matin, mais qui. Ah, oui, non, il reste. Enfin, qui était là au tout début, puis après, à un moment donné, a disparu et c'est revenu. C'est revenu bien, bah en tout cas après avoir être rentré du boulot. Même, on n'aura même jamais le temps comme ça. Le fait de pop, ah quoi, non, ça juste. Bah non, il faut faire ça. Oh quoi, ça passe. Oh non, 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 ouais, ça passe. De justesse. Je sais, non, c'est pas la box, je l'ai rééteinte, je l'ai réallumée au cas où. Ça ne changeait rien, j'avais pas internet, j'avais pas de wifi. C'est le FAI à mon avis, hein. Je pense. Je sais qu'ils sont en train, entre autres, un peu de faire dans le village. Oh, t'es sérieux, tu me touches? Non, non, mais par contre, vous me retouchez pas, les gars. Ils essaient, enfin, ils font des trucs pour installer apparemment le giga. Après, faudra voir si un jour je l'ai, mais normalement ils sont pas encore du côté de la maison. Donc c'est ça que je comprends pas. J'ai regardé, ils étaient pas du tout dans la rue et autres, et dans le coin. Donc je ne sais pas pourquoi ça n'a pas voulu. Ah, on est trop. On a même pas une ombre. On voit même pas une ombre hein, au niveau du. On va dire du sol. Ah si, mais on était trop. Ça va peut-être vider l'eau. On se baladera un peu plus facilement. On met de l'eau là, en plus de ça, on arrêtera peut-être de mourir si. Enfin, on pourra peut-être remonter, je sais pas. On n'était jamais tombé, il me semble. Donc j'avoue que je ne sais pas trop ce qui se passe si on tombait. Oh. Là, on va faire ça. Oh, t'es sérieux, le jeu? Mais non, 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 là, par contre, le jeu... Ouais... Oh, t'es sérieux? Oh, mais non, mais je vais devoir recharger. Non, 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 non. Recharge, on va recommencer vite fait, tant pis. J'aurais dû recharger, regarder à un moment donné. Mais, non, 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 je recommence pas tout le niveau, hein. C'est bon, il y en a marre. Il y en a marre. On gagne du temps maintenant. Le jeu est long. Salut China, comment ça va? Donc ouais, c'est chiant, mais c'est pas grave. On recommencera le live de ce matin, qui a pas eu ce matin, demain matin, et on recommencera de zéro, hein, comme s'il n'y avait jamais eu de live. Comme ça, on verra ce qu'il disait. Voici donc les super chaussures. Une fois au pied, ouais, tu peux. Ta petite poule pourra courir comme le vent pendant un certain temps. Ton énergie est faible. Ah, il me soigne aussi, c'est bien ça. Félicitations, Banjo. Tu connais, ouais, toutes les techniques du niveau. Ah, il me soigne aussi, mais ça, c'est un bon ami. C'est un bon. Un peu couillon, mais il est bon. Comment ça va, China? Comment s'est passée ta journée? À tous, bien sûr. Le bon lurk. Ah non, on va déjà rester. On va rester. Ouais, je vais aller pour ça. Le temps qui défile, c'est vraiment la loose. Thank you.
On va se regarder dedans. Chargeant ta feuille. I'll be back. On a eu le boulot du matin, mais sinon ça a été. Hop. Journée un peu tranquille, ben, sauf qu'il n'y a pas eu internet, donc. C'est à chaque fois qu'on n'a pas internet qu'on se rend compte qu'on est bien dépendant de cette joyeuseté. Hein. Sans ça, des fois, on sait pas quoi faire. Et je me suis dit, bon, ben, je suis pas là et je vais avancer dans autre chose. Et c'est là que je fais, mais non, il me faut internet pour ça. Merde, il me fait ça. Il me faut aussi internet. Ah ben, flûte. Bah oui, évidemment. Quel idiot. Comment ça se fait qu'ils respirent sous l'eau, c'est mort. Je sais qu'ils sont morts, mais quand même, faut respirer, les gars. Mais ouais, mais non, allez, laissez-moi tranquille, les gars, s'il vous plaît, là. On est potes. C'est rien faire. Ah ouais, internet c'est relou. Bah non. Bah fallait être là les 20 premières minutes. Là tu m'aurais un peu vu. Et après. Ah pu, casser. Casser internet. J'ai fait d'abord un petit peu de Legend of Eternal. Terminer le donjon de la tour de game et il me reste encore le boss à battre. Ouais non mais par contre là les trois sur ma gueule. J'étais arrivé au boss, je suis ok, je comprends rien du tout. Enfin j'avais bien compris qu'il fallait casser les chaînes. Mais je comprenais pas trop comment. Mais il sérieux, il va jamais vouloir. La maniabilité et l'angle de vue à chaque fois de sans ces jeux à l'époque. L'horreur. Tu sais même pas où tu es par rapport au niveau. Enfin, tu sais que t'es en haut à peu près, mais. Tu sais pas la hauteur. Voilà, bah, on a ça. On est qu'à 4 pièces de puzzle ici, mais on en a aucune en fait. Ok, c'est. Je pensais que j'en avais déjà récup, mais pas du tout. J'ai l'impression que je tourne dans les niveaux en rond, que je les fouille bien, et quand tu regardes après, bah, 4 notes de musique. Tu fais, mais comment ça, 4 notes de musique? J'ai déjà fait tout le niveau 15 fois. À quel moment je n'ai que 4 notes de musique? On voit que j'ai quand même déjà récupéré 79 notes de musique. Ouais, mais non, bah, faut essayer. Ah, peut-être des œufs. Je sais pas s'il y a un truc à faire avec les bouquins là. Attends, on a récupéré. Non. Ouais, c'est ça. Non, c'est pas du tout ça. Non plus, enfin j'ai pas le temps. Caméra, vas-y, j'essaie de voir si c'est ça. Ah, l'angle de vue qui n'est absolument pas tué. Alors absolument rien à leur faire. Absolument que là, j'ai l'impression. Hein. Je les recule là, mais je les tue pas. Hein. On les tue pas. Ah oui, il y aura un truc. Oh, vas-y, sérieusement. Il touche, on va aller dans l'eau pour voir qu'on a mis au milieu pour voir s'il y a un truc. Ben ouais, c'est long sans internet. Mais bon, on arrive un peu à s'occuper, hein. On a joué un petit peu à la Switch à un moment donné, vers la fin.
Allez, on a été capturer quelques Pokémon. Mais du coup, maintenant que j'ai mis de l'eau, là, je vais pouvoir utiliser les plaques volantes ou je suis ou qui me permettent de voler ou c'est ou c'est. Non, les plaques, elles étaient là pour remonter en fait. Donc ça va, on mourrait pas. Ah, on a le piaf bleu, il me manque plus que l'orange. 84 notes de musique. Ça va être 85, que 15. Ok. J'attrape quelques Pokémon, mais en fait, il faudrait surtout que j'attrape les Pokémon qui sont que pour épée, pour que je les envoie sur bouclier. C'est un peu le but du fait que j'ai relancé bouclier. Non, épée, c'est pour bouclier. Mais c'est pas avec toi, mince. Ah ouais, mais... Ouais, non, attends, ça va pas le faire. Fais des bêtises. Mais on en attrape quelques-uns. Ah mais si il y avait les blocs dans l'eau. Les blocs. Faut que je sauvegarde régulièrement. C'est plus sûr. T'as pu un peu retenter de le battre, toi Vitini, le boss? Oh, pom 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 pom. Ah, les sons ne sont pas cassés ici. Et on les en... Enfin, en tout cas, moi je les ai entendus. Salut Papa Ours, comment ça va? Ah, ouais, t'inquiète, après on reprend. De toute façon, en prochain jeu, ça sera le. On termine. Enfin, on continuera et on terminera Pumpkin Jack, que j'avais fait à Halloween. Je veux d'abord terminer Banjo. Donc c'est deux jeux qui sont quand même un peu loin à faire, c'est pas comme si en un ou deux lives j'allais terminer Pumpkin Jack. Ouch. Bonne journée Papa Ours. C'est avec le que je veux faire. Ah non, je veux juste vraiment me dépêcher pour le toit alors. On a rien à voir avec les bottes. Ah, regardez, on a déjà gagné de la vitesse en. Enfin, des secondes en tombant comme ça. On l'avait peut-être déjà fait, ça se trouve. Je sais plus. Ah, mais ça va bien. Il est sur 64, effectivement. Conker. Conquerac, c'est un youtubeur. Hein. J'ai déjà fait ça. Ouais, c'était pas le jeu de mémoire là. Aussi, il me semble que c'était un jeu de mémoire. On l'avait fait. Ça, on avait fait. Il peut avoir des journées sans malgré tout, hein. Qu'est-ce qu'on a à faire aussi? Il faut retrouver des trucs pour voler. C'est ici le jeu de mémo. Un petit labyrinthe. Est-ce qu'on avait tout fait? Je sais qu'on l'avait fait, mais je sais pas si on l'avait terminé. Je vais pas re-sauvegarder évidemment quand il fallait. Après avoir récupéré tous les trucs dans l'eau. Je me déteste, enfin je crois pas. Ouais, si ça on l'avait fait.
La vérité. Même là, on y a été. Hein. Ouais, sérieux, laisse-moi rentrer dedans. Serait-ce chevalier? Serait-il entré dans la maison? Es-tu là, chevalier? Si oui, dis oui. Sinon, dis non. Donc, dis oui si c'est bien toi. Hein. On avait fait le tapis volant. On avait fait un truc avec le tapis volant là-bas. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à refaire? Ah, mais la main est relou là. Je trouve un truc pour voler. Une plateforme de vol. Qui n'est pas dans l'eau. Ouais, non, mais c'est bon, on veut plus. On veut plus aller en haut. On veut plus aller dedans. On l'a fait. Galère. Par contre, après Pumpkin Jack, j'ai pas encore réfléchi au prochain jeu. Est-ce que tu as dit oui, chevalier? Parce que si tu n'as pas dit oui, ça ne va pas, hein. Oui, il a dit oui, c'est bien lui. Comment ça va, chevalier? Hop, on récupère comme ça. Bon, les plumes, c'est bon. L'œuf, le récupérer. Ah, ouais. Bon, je vois absolument pas de plateforme pour voler, hein, à part celle qui était dans l'eau. Ouais, parce que je le touchais ça clairement. Ceci est une cible. Je crois que j'avais été légèrement là dans l'espèce d'interstice de petite caverne tout au fond. Peut-être dans le sphinx. Ah, le sphinx là, ça serait pas. Le sphinx. Longtemps qu'on n'y a pas été. On n'a pas été revoir ce qu'il y avait potentiellement peut-être à faire. Allez, putain. Ah non, on aurait vu dans la plateforme de volante, si elle était en haut. Quel est le symbole devant la porte? Ouais, c'est juste pour le jeu en fait. Non, on n'avait toujours pas sauvegardé. Vraiment qu'elle. Je dis qu'il faut que je sauvegarde souvent, je le fais absolument pas. On peut toujours se faire confiance à soi. Hein. Ça fait plaisir. Ah, la voilà, la plateforme volante. Bon, faut réussir à y monter dessus maintenant. Ça a l'air un peu galère. Voilà. Bon, je sais qu'on n'a rien fait. Mais. Ça nous évitera de devoir remonter. Voilà, on aimerait bien passer à travers l'anneau. Évidemment, on n'y arrive pas. Hein. Allez, mais passe à travers, hein. Fais un effort. Alors, fais apparaître les anneaux sacrés. Il est passé où le suivant? On a tourné du mauvais côté? On n'a pas bien vu où il était. Passer dans le cactus. Absolument pas vu où il est passé du coup. Ah, il y a ça dans le cactus. Bien ça. Ok. Et ça fait. On voit pas ici. Statistique, on a gozé de vallée de Gobi, ça en ferait. Hein. Ah, ben non. Bon, il est où mon deuxième anneau là? On commencera à mon avis dans le cactus. Il était vraiment derrière la montagne et je l'ai pas vu. Tu fais bien de prendre à boire.
Hydrate-toi, chevalier. Ben non, il est absolument pas derrière. Côté du sol, on va recharger, hein. C'est pas possible, hein. C'est pas possible, hein. On va recharger. Non, il est là. Quel idiot. Ok, entre deux cactus là-bas. Il va falloir surtout à un moment donné se refaire. Ouais, j'aurais dû continuer. M'emporter du mauvais côté. Se refaire des plumes. En fait, il nous fait longer le niveau là, à peu près. Oh. Il est derrière l'autre pyramide normalement. Qu'est-ce que t'as fait de ta journée, chevalier? Évitons le cactus. Ça serait sympathique. Et pas du tout là. Mais quel enfer, il est où? Ah non, il est derrière le sphinx. Et je le fais après, lui. Je préfère me concentrer sur ma mission d'anneau. Avant de faire des bêtises. Alors, désolé, mais pour la voiture, c'est râpé. Ah, il y avait une voiture, non, ça prend plutôt ça. Il y avait une voiture en gain. Ah mince, on va falloir refaire un meilleur chrono. Hein. C'est faux, bien sûr, hein, ne vous faites pas avoir. Hein. Ce serait déconnant. Hein. Ah non, c'est pas ce que je voulais comme attaque. Pourquoi tu fais ça? C'est B, donc c'est la touche cercle, c'est pour annuler, c'est pour sortir de dans quoi on est. C'est pour sortir du vol, c'est pas pour dasher là le jeu. Ah mais va falloir dasher devant et derrière, on est d'accord? Non. Ah j'aurais dû recharger. Enfin, sauvegarder. Oui, je dois se recharger. On va pas le faire. Il ne reste plus beaucoup de vie. Alors, j'ai besoin aussi de récupérer surtout quelques plumes. Faire. Salut Tombinateur, comment ça va? Est-ce que tu... 100% en tout cas des pièces de puzzle, j'aimerais bien. On récupérera peut-être pas les deux parce que on l'a jamais fait, on n'a jamais trouvé les deux hexagones pour augmenter la vie, mais en tout cas les notes de musique et les pièces de puzzle, ça j'aimerais bien le faire à 100%, ouais. Bon, après, les hexagones sont juste très bien cachés. Et j'avoue que, bah, au fond, avec une solution. J'avoue, il y en a, on a tourné le niveau. Ah. Non, c'est parce que... Ouais, ça va. Oui, mais rentre dedans. Moi, je pensais que je vais aller taper de l'autre côté, moi, en fait, aussi. Faudra voir en tapant de l'autre côté ce qui se passe. Ah mais il sera peut-être aussi ici le cinquième oiseau. Il n'y a rien de l'autre côté, on voit rien avec ta caméra. Ah si. Juste que la caméra ne tourne pas et est extrêmement bien mal placée comme d'hab. Oh, là c'est un peu abusé la caméra. Ok, ça c'est fait. On est à 93. Qu'est-ce qu'il veut? Salutations, ami. Je veux être Ruby. Aidez-moi, Peuge. Non? On cherche un trésor, mon poussin? Formidable! Moi, en voir au plafond, non?
Attrapez et c'est pour vous? Oui. Ok, attends, mais ça va se dérouler comment là? Je sens la douille au niveau de la vie. Il va me faire popper un serpent là. Je vais bien, mais comment tu veux que je l'attrape ton plafond là? Effectivement, il y a une note de musique. Faut jouer de la musique, monsieur, hein? Ah, il y a une pièce. Un œuf. Ah, il va falloir chier dans le bol. Pas du tout le bon axe. On va y arriver. On n'est pas dans le bon sens, en plus de ça va être chiant bien. Ouais. Ouais, ça va plus vite. Ça va aller plus vite. Pas trop tard. Alors, ah, merci du beaucoup gentil. Istup, maintenant aidez-vous. Non? Voilà. Non, 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 c'est pas comme ça. Ah, mais je l'ai eu. J'allais faire mon salto arrière là. J'allais faire celui-là, mais finalement je l'ai eu quand même. Ok. Istup, merci. C'est tout. Hop. Et y a que ça, hein. On n'a pas le dernier oiseau, hein. Au moment. Il est bien caché le couillon. Ok, on avance un petit peu quand même. Chie dans le bol. Ben ouais, on a chié. On a chié des œufs. Ah, c'est pas tout le monde qui peut chier des œufs, hein. Nous, moi, je suis un ours qui y arrive. Papa ours y arrive, je suppose lui aussi. Est-ce que j'ai évité en face? Non, c'est pas ce que je veux. C'est pas ce que je veux. C'est ça que je veux. J'ai dû y arriver. Bah, surtout, même si j'y suis arrivé, il y a l'air d'avoir qu'une porte fermée. Faudrait l'ouvrir. Je sais plus comment. Sur les palmiers là. Non, c'est des cactus. Et mais attends, ils font du dégât. Hein. Ah mais il y a la main, putain elle est tout dit là, elle. Faut vous casser monsieur la main. Vous êtes gênant là. Ouais si, on a consommé beaucoup d'œufs. On est à 93 notes de musique, plus que 7. Ce serait bien, il faut les trouver. Alors... Bon. Regarde ici. Et on va vérifier en tapant de l'autre côté de la statue Kazouille. Voir si ça fait une autre action. T'as pas encore essayé de chier dans le bol, mais va falloir le faire, hein. Va falloir le faire. Ah bah ouais, mais Papa Ours il arrive quand on joue un ours aussi. Non, ça ouvre la même porte. Mais je voulais vérifier l'info. On sait jamais. Putain, mais le niveau il est quand même pas si grand que ça. Ça me tue. Même pas ramasser les... une plume. Oh, j'ai le dé bougé. Ah, va lui falloir chier dessus, mais par la bouche. Hé, Zajadouille! C'est quand même les genres de trucs où il faut être un peu pixel perfect, à peu près. Enfin, faut quand même bien viser. Et bah parfois avec les caméras et autres qu'on avait à l'époque, c'est pas évident, hein.
Un poxy en se mettant comme ça. Non, ça devrait bien passer. Voilà. Et voilà, il ouvre la porte. Ah, il fait... Mais vas-y, donne quelque chose. Ah, le nez de Jinxie va mieux. Entrez donc. Ça donne quand même une note de musique, hein. Radin, va. Enfin, une note de musique, je préfère une pièce de puzzle. Et une note de musique, on va se dire qu'elle sont à l'intérieur. T'en connais un qui arrive? Ah. Qui avale une noix de coco a confiance en son trou de balle, en effet. En effet. Il est bien capable de donner à quel... Attends, il est bien capable de le donner à quel mange en disant que... C'est... Ah, on va donner... Le caca à manger en disant que c'est du chocolat. Voilà. Voilà, ça va, je suis pas si fan de chocolat que ça, moi je me ferais pas avoir. Si je vois que le chocolat ressemble à un truc que je connais pas, je bouffe pas, moi. Je suis pas fou, hein. Je ne suis pas fou. Bah ouais, évidemment. Je sais pas si on peut les... Enfin, si on peut certainement les tuer. Hein. Ouais, oh, vas-y. Il va falloir vraiment... Faire gaffe à la vie, là. Laisse-moi tranquille. Au pire, on a sauvegardé juste avant. Pas trop grave. Ah ben, va falloir redonner à manger. Mais non, en fait, pour le truc, faut se mettre devant. Tu le regardes. Tu sors. Ouais, il y a carrément. Il a bougé. Ah non, tu sors pas en fait. Hop, hein. Oh. Ah, le vert. Le rouge. L'orange. On y arrivera. Rouge, orange, vert, jaune, bleu. Violet. C'est une couleur. Les suivants, on y va comment là? Faudrait faire apparaître d'autres tapis, hein? Il me semble. Ah ouais, mais non, on le refait. Et on y arrivera comme ça. Arrête de bouger. Tu tremblotes. Ah, je t'en ai donné deux, je suis généreux. Oh non, on charge, ok. Heureusement qu'on a ces petites sauvegardes d'état ici, hein, pour aller quand même plus vite sur le pour le live. Bon après, à part juste récupérer comme d'hab les 100 notes de musique, on est absolument pas obligé de le faire tout faire en une fois, hein. Un petit gain de temps. Surtout que dans le hub, on met à chaque fois du temps pour trouver le prochain niveau. Hop, c'est fait. On va sauvegarder en bas. Non, non. Ouais, voilà, sans se faire de, sans se prendre de dégâts, c'est mieux. Et en même temps, on donne un peu une indication de l'heure, c'est bien. Enfin, une plus qu'une indication, vu que ça me donne l'heure. Ouais, je le savais. Ok. 99 et on a vu que la centième elle est là. Ouah, tu as trouvé toutes les notes de ce monde. Bravo. Par contre la caméra c'est vraiment horrible. Comme on le sait, hein. Mais je vous le confirme, au cas où vous en doutiez encore. C'est bon, on l'a. C'est bien.
Non, je l'ai pas, hein. Sauf si tu me la payes, je ne l'ai pas. Pas envie d'acheter, surtout. Tant pis, on va pas prendre les nœuds, mais t'inquiète, c'est déjà le joystick de la Switch par moment. Je le trouve assez petit hein, quand je joue à Mario Kart et autres. Des fois, j'ai du mal à tourner hein, avec mon véhicule. C'est parfois bien pénible. On va sauvegarder. Qu'est-ce qu'il me reste? Je vais avoir tout fait là. L'impression que j'ai fait. Suivez l'eau, les normes et puis. J'ai l'impression que c'est fait. J'ai l'impression d'avoir tout fait ce que je peux faire. Il y a peut-être un truc avec lui, mais il me semblait l'avoir fait, non? Cet arbre a l'air... Ah non, assoiffé, mais mon eau est trop précieuse. Non, lui, c'est pas fait. Ah, quel bonheur! Trunker est en pleine forme! Ok, il restera vraiment. Ah, et tu sais pas redescendre là d'un étage? C'était un peu grand là, mec, hein? T'avais une bonne taille juste avant. Ok, celui-là c'est fait aussi. Merci pour le GG. Ouais, non, bah ça va, le contrôle de Joy-Con là, avec je sais plus comment ça s'appelle, le truc du milieu là, c'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal. Après, si tu me truc donnes le truc. Enfin, si j'avais le truc 64, vu là. La maigre sélection des jeux qu'il y a quand même pour les émulateurs sur la Switch, c'est quand même pas non plus oufissime. Et encore, dans toute la liste que tu vois, il y a des fois la version, tu vois la version, enfin, soit européenne ou alors tu vois version italienne, française, anglaise, allemande. Donc finalement, tu vois 25 jeux, mais t'en as que 5 différents en fait. Putain, c'est pas ce que je voulais par contre ça. Il y en a 20 où c'est à chaque fois le même jeu. Bon, on a quand même regagné 2 vies finalement. Le truc qu'on aurait peut-être pas fait, mais normalement on l'a fait, hein, c'est... Là-bas, il me semble qu'on l'a fait. Hein. Ah non, du tout. C'est toi. Ouais, mais du coup, il me faut des godasses là. De toute façon, les godasses sont là-bas plutôt. Non, elles sont de l'autre côté. Elles sont là-bas. Ah, mais elles sont loin en fait.
Oh, vas-y, de toute façon, si c'est la fin, ça peut passer. On va sauvegarder juste avant. Mais normalement, c'est toi qu'il me faudra. Je vais quand même passer par là. Je peux faire. C'est moins dangereux. Ça me semble moins dangereux. Voilà. Non ! Oui, mais j'avais pas encore les bottes, donc je pouvais pas le faire, ça. Je l'avais vu, mais je pouvais pas le faire, le précédent live. Ah, on a les 10 pièces de puzzle, on a fini le niveau. J'espère qu'il repop pas l'autre par contre, hein. Sinon il me tue. Et il me blesse. On est d'accord, on l'a. 100, 100, 10, 10, 1, 2, mais comme je dis, on a absolument jamais vu l'autre. À chaque fois, on en trouve que un hein, d'hexagone de vie. Il est à chaque fois bien caché le deuxième. Hein. Enfin, déjà le premier est déjà bien caché. Mais le deuxième, il est introuvable, hein. En tout cas, sans Solus, ça me semble très compliqué, hein. On ressort du niveau par là où on est rentré, on fait pas sauvegarder et quitter, sinon c'est comme si on abandonnait. Ce qui est un peu moche. Nous, on veut juste sauvegarder et quitter le niveau, pas le jeu. Génial, ton meilleur score ouais, maintenant. Mais non, mais je veux pas y rentrer là le jeu, tu fous quoi? Tu te fous de moi? Faut arrêter d'avancer quand je frappe. J'ai juste que frapper. Ah, mais faut me donner de la vie par contre, hein, le jeu. Ça ne va pas, hein. Alors la sortie, c'est de quel côté? C'est là-bas. Il est un peu lent là, le jeu. La bouille. Les bots qui dirent 3 secondes juste pour passer ça, quoi. Ça servait à rien de, à la limite de nous mettre. Oh. Ah, c'est vrai qu'il y a des puzzles dans le HUD. Oh. C'est sérieux. Comment je récupère? Comment on récupère? Il va avoir un super saut. Oh, il s'ouvrirait pas ce. Hein, ce juste pour que je fasse, genre, je sais pas moi, des petits rebonds. Hein, des wall jumps. Où il y aurait pas moyen de. De pousser, de faire tomber un petit peu le. Ah, je sais pas. Ah, mais si t'as des pièces ici, par contre, ça c'est relou. Ça va être relou à rechoper. Alors, on a les super bots. On pourra faire des choses ici. Est-ce qu'on peut faire sur. C'est déjà normalement aller par ici. Terminer le manoir. L'espèce de manoir hanté. Il nous en manquait une, mais je ne sais absolument plus. Plus où exactement. Je suis parti du bon côté. Ouais, c'est bien sûr la suite du chemin. C'est par ici normalement. Ouais, voilà. Il nous en manquait un. Après le prochain niveau, je sais pas où il est par contre. Ah si, il y aura peut-être avec les bots que je viens de débloquer, je vais pouvoir peut-être débloquer un prochain passage. Alors ici, d'accord, vérifions quand même l'info. 4-10, oh je... Je trouve le truc. J'ai absolument dit de la merde. Ah non, c'était Pic Polaire que je pouvais pas terminer. Oh non, c'est Pic Polaire. Oh, mais j'ai plutôt envie de terminer Pic Polaire alors.
Ah non, je reviens. Qu'est-ce qui nous manquait alors à Pic Polaire? Ah, la course! Il fallait refaire une course contre le Morse. Mais il me faut les bottes. Ah, désolé, hein, je reviens. Ouais, c'est ça, c'était le niveau précédent qu'on n'avait pas pu terminer. C'était la première fois que ça arrivait. Il fallait aller dans le niveau suivant pour débloquer le pouvoir. Oh, ça, c'était moche. Parce qu'on l'avait pas eu, on l'avait pas eu avant. Si à la limite ça se faisait dans chaque niveau, tu fais ok, d'accord. Mais là, non. Tu fais mais vas-y, j'ai fait tous les 3-4 premiers niveaux. D'un coup là, et là je peux pas. Mais c'est dégueulasse. Hop, la course. On n'y arrivait pas, on avait tenté sans les bottes, c'est impossible. Et quand on était en morse, on n'avait pas le traîneau. Enfin si, on avait un traîneau. Nous aider. On se refait en même temps des petites plumes rouges. Au niveau de la vie. Non, tu me rends pas la vie entre les niveaux, hein. C'est un petit sacripant hein, de pas me rendre la vie. Faut trouver les bottes par contre. Faut retrouver les bottes. Lui il est là, les bottes sont pas là. Où elles sont? Elles doivent pas être loin. Hein. J'espère. Ouais mais non. Si je veux de toute façon aller dessus, faut que je reste comme ça. Les bottes. Ça c'est relou quand tu reviens dans un niveau que t'as. Ça fait quand même quoi. Donc c'était début de semaine, d'il y a 2 semaines qu'on l'avait. Qu'on y était retourné. Juste pour ça. Enfin, c'est un peu chiant là. Ouais, tu peux pas me dire où elles sont par contre. Qu'est-ce que vous voulez? À moins qu'il fallait. Il fallait peut-être détruire. Oula, mais oui, mais évidemment, Jean-Michel Caméra qui fait son travail. Il fallait peut-être détruire un des bonhommes de neige pour avoir accès aux bottes. Ça serait pas déconnant, hein. Connaissant le jeu. On peut tenter. On peut retenter. Franchement, vu la gueule du jeu, ça serait vraiment pas déconnant. Hein. Alors, on va se mettre comme ça. Celui-là ou celui. Non, ouais. Le truc, on sait absolument pas où il est placé par rapport à nous. Mais t'es sérieux? Non, ça va, il nous touche, mais c'est tout. On tombe pas pour autant. Qu'est-ce que tu proposes, toi? Ah, quoi qu'il propose, peut-être que de la vie. Et les bottes, on les a pas infiniment, hein. C'est quand même étonnant qu'elles soient si loin que ça.
c'est pas toi. Non, bah oui. De la vie. Non, c'est pas du tout là. Oh, la fin du jeu. Non, attends, on est où? Il me semble que j'avais dit, de ce que j'avais vu, 9 niveaux. Attends. Alors, ça, c'est le premier, normalement. Ouais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et on a le 7 avec le manoir. Donc, on aurait encore 2 niveaux après le manoir. Ouais, c'est pas du tout là, les bottes. Enfer. Ouais, elles seront pas au-dessus. Il faudra pas passer par l'eau. Ah, mais quoi qu'il y a encore toi. Je n'ai pas l'impression que ce soit toi non plus. Hein. Non, plus belle. Ouais, elles sont où ces bottes? Elles étaient au début? Au début, je les ai pas vues? Ah non. C'est au début, hein. Je pense pas qu'elles soient en haut du bonhomme de neige, ça serait quand même étonnant. Oh mais non, mais tombe pas à l'eau, elle est fraîche, elle est trop froide mec. Les petites bottes là, vous êtes où? Oh, devoir rechercher. C'est toujours le plaisir de refaire des niveaux, des jeux là, après plusieurs semaines. Enfin, quand tu fais des longues pauses à chaque fois, hein. À chaque live, tu fais purée. Comment on joue au jeu? Et où est-ce que est caché une chose que tu connaissais? Au milieu, on est d'accord que c'est pas au milieu, hein. On a été, Et alors? Bon. Non, ici on a regardé. On a récupéré les plumes rouges, donc c'est clairement pas là. Il faut d'abord faire une tentative avant de les voir. Ça serait un peu étonnant aussi. Dans la maison, j'y crois pas. Allez, bon, au moins on n'aura plus les petits bonhommes de neige pour nous embêter durant la course. T'es sérieux, je vais quand même pas devoir chercher sur le net la position des godasses là. Mais elle pourrait être au moins ici, vraiment. Attends, on va faire une tentative, ça va servir à rien. On va y arriver. De toute façon, on le sait bien. Ah, mais voilà, elles apparaissent après. Mais quel enfer, tout ce temps perdu pour rien. Mais je les prends pas. Ouais, c'est peut-être déjà mort parce que j'ai raté le début. Mais on voit qu'on peut continuer. On avait déjà perdu depuis belle lurette à ce moment-là. Bon, au moins, on se fait la course une première fois. Ouais. Ah ouais, fallait passer par là. Il y a des moments où il nous rattrape bien, hein. Le passage ici s'est passé, là il nous rattrape à mort, on sait absolument rien faire. Hein.
Ah mince. Oh non! Oh, c'est passé quand même. Ouais, bon. Il va falloir recommencer. On a raté sur la fin. Mais on avait raté le début. Ouais, on n'a pas sauvegardé juste avant. Oh, c'est pas grave. Ah ouais, non. Ah ouais, non, tu as nous remis ici. Ça va retendre ta chance, petit, oui. J'ai eu peur qu'il me sorte du niveau. Ah voilà, là, par exemple, le fait que ça soit déjà bien dégueulasse, je sais qu'il va tout droit, il va pas tout droit. Il a quand même contourné les godasses, hein. Tu sais, j'ai le même coup avec à chaque fois Mario Kart. Il va pas toujours là où je veux moi aller. Vas-y, il va nous faire du body block. Ouais, merde. Ouais, bah ça c'est comme le début raté, mais en pire même. Parce que là on le redépasse, mais après il gagne de la vitesse. Alors qu'il fait absolument rien pour en gagner. Ouais, ici c'est toujours compliqué ce passage, hein. La caméra qui ne t'aide absolument pas. Mais on connaît le chemin, ouais. Mais la descente, hein, tu vois pas où t'es par rapport. Tu vois pas bien où t'es. La caméra qui se met pas bien. Enfin, après, si elle est pas juste derrière toi, donc c'est dommage. Mais ça ferait une vue dégueulasse si elle était derrière nous. Et le pont, il est trop petit en fait. Enfin, la largeur du pont est un peu trop petite. Ce qui ne nous aide pas à cet endroit-là. Et puis faut pas tomber dans la flotte. Oh, t'es sérieux? Allez, laisse-moi passer. Alors, on se dit pas qu'on a de l'avance, hein. L'avance qu'on a, c'est... Il la faut. Allez! Oh, franchement, là, le jeu... Sois sympa. Il bloque, monsieur l'arbitre, il bloque. Ah, c'est pas passé, mais va te faire voir le jeu. Ah, ça c'est mort. Bon, il y a juste la fin qu'on a pas très bien vu au cas où. Ouais. Ouais, franchement, le jeu il est dégueulasse. Ah ouais, il pousse, il m'empêche de passer. Ah, vas-y. Il est pas sympa le jeu, hein. il est pas permissif, hein, de pouvoir passer légèrement à côté des drapeaux. Faut vraiment y passer entre les deux. Ouais, tu vas vraiment essayer de ralentir, t'es sûr? Parce que si tu ralentis vraiment mais qu'on n'a pas le bon loot, ça sert à rien, hein. Ouais, tu mens, tu ralentis absolument pas, mec. Après, je vais passer. Je vais aller sur le toit. Et ouais, il nous pousse, mais il nous pousse pas pour nous aider, hein. C'est juste pour nous embêter. Allez, là on fait pas d'erreur là. Et dans la montée, même dans la montée, il gagne pas de. Forcément, il perd pas de terrain. C'est bon, c'est gagné. Il perd pas de terrain dans la montée, quoi. Non! J'ai encore perdu! Ah, prends ma deuxième médaille! Je pars chercher les cadeaux de mes enfants! On les a déjà récupérés, les cadeaux de tes enfants, mec. Mauvais papa, là. Mauvais père. Bon, honte à toi. Honte à toi, papa. Voilà, on l'a eu. Mais voilà, c'est réussi, Knight. Enfin, c'est réussi, selon le retour. Oh, c'est pas le plus dur, c'était pas le plus dur. C'est juste... dompter le joystick. Il n'est pas toujours le plus évident. Niveau de la vie, on a récupéré les 3 vies.
Donc tu me les rends pas apparemment. Y'a que... C'est pas pour rien que je me balade en kazouille, hein. C'est vraiment plus simple, hein. Banjo, c'est juste des muscles. Kazooie, c'est tout le reste. Hop. Ouais, il triche, mais bon, on l'a quand même battu. Y a un truc normalement ici à faire. Voilà. On récupère ça. Oula. Non, c'est comme ça plutôt. Ça me permet d'arriver là à temps, mais après... Oh, vas-y! Oh, t'es sérieux, il y a l'ennemi. Par contre, c'est la toile d'araignée, je sais pas comment m'en débarrasser. Je sais pas si les bots seront juste arrivés dessus à temps, ça va rien faire normalement. J'ai l'impression qu'il me manque un truc. Le pouvoir du feu, allez là! Pouvoir cramer le truc. J'ai l'impression qu'il manque un truc. Mais ouais, mais y a après là. Il se passe rien. J'ai aussi un autre chemin entoilé normalement. Non, j'ai pas un chemin entoilé. Mais si, lui, il est entoilé là. Comment. Faut peut-être faire un truc dans. Chez les marmites. Dans le cimetière, non? La maison hantée. S'il me manque un truc, c'est pas possible autrement. Hein. Mais non, on ressort pas par là. On trouve des trucs, mais on sait pas quoi faire avec. Oh, j'ai pas chargé depuis longtemps. Moi, oh, j'arrive où? Oh, je perds juste une vie, oui, ça va. On va sauvegarder. On va sauvegarder. Par contre. Depuis longtemps, c'était quand même. C'était bien avant la course. Bon, ben, on aura. Bon, en vrai, on a terminé deux niveaux à fond, mais on a récupéré seulement, pour le moment, 6 pièces de puzzle ce soir. En vrai, ça serait bien de finir réussir à finir la maison hantée. Ça serait le bon truc. Et on a récupéré aussi les baskets. Donc, on va pouvoir faire aussi des choses qu'on ne pouvait pas faire dans ce niveau-ci. Je me souviens, je crois qu'il y avait dans une espèce de labyrinthe ou autre, il me fallait les baskets. Peut-être pas dans le labyrinthe. Je me souviens plutôt de trucs en pierre. Ouais, il y avait ça avec la cabane, on savait pas quoi faire, c'était pas ici. Ah, quoi.
Ouais, si, si, ça peut m'aider. Oh, quoi que le puits. Ça faisait quoi le puits? C'est pas ça que je cherche. Oh! Il y avait quoi à l'intérieur du puits? Ah oui. Que dalle. Ouais, t'as vu comment tu recules quand tu touches? T'abuses un chouïa, mec. T'abuses un chouïa énorme, là. T'abuses littéralement. Hein. T'abuses littéralement. Tu fais la moitié du puits dans l'autre sens. T'abuses. C'est vrai que j'aurais dû faire ça aussi. Je nage comme ça plutôt. Oh, vas-y, là! J'ai dû sauvegarder en entrant dans le niveau. Là. Oh, t'es sérieux? Non, on l'a fait juste avant. D'accord, que. D'accord, hein. Père de Grand Tilda, j'en ai 3 sur 10. Bon, il y en a une que j'ai trouvée, mais je sais pas comment y aller. 10, ouais. Je me sauvegarde en entrant dans le niveau. Vu que j'ai perdu dans le puits. Enfer. Quel enfer. Sinon, après si vous en avez un peu marre, on essaie juste de terminer le plus rapidement le jeu aussi, hein. N'hésitez pas à le dire. Hein. C'est vrai que j'aimerais bien terminer, comme je l'ai dit, les notes de musique et les pièces de puzzle, mais après si on n'y arrive pas, on va pas non plus, et que si ça vous en avez un peu marre. J'aimerais bien quand même terminer le jeu en live. Ça m'embêterait de l'arrêter maintenant. Mais là, on peut rentrer, là. Peut-être pas. Peut-être donner des nœuds. Il y a un trou là. Ah, Mambo Mambo là. Tu peux me transformer en quoi? Tu ne transformes pas en araignée, un truc du genre? Ah mais il est pas là. C'est pas ça, c'est la cabane en bois. Ah si, il est bien là, évidemment. Mais j'ai toujours pas sauvegardé. Faut que je sauvegarde, j'ai dit, en entrant dans le niveau, je le fais pas. Je m'énerve. Je m'énerve. Je ne fais jamais ce que je dis ce que je dois faire. Oh vas-y. Là t'abuses, hein, j'étais à côté. Clairement un truc avec à faire avec le seau, non? On vide l'eau, je sais pas. Enfin, le seau ou le tuyau. Il y a tellement cette sensation.
Mais vas-y, s'il te plaît, le jeu, là, c'est quoi? On te voit même pas qu'on est à côté, t'as l'impression que tu passes juste au-dessus. Tu te fais toucher. Le jeu, aide-nous, s'il te plaît. Donne-nous de la bonne profondeur. Sois sympa. Sois pas juste méchant. Mais t'es sérieux, tu te fais toucher par la branche là? Et tu prends même pas la note? Alors que sincèrement, pour moi, j'étais plus à côté de la note que de la branche, hein. Il y a vraiment de l'injustice totale, hein. Font pas ce que je demande, j'ai que ça pour le moment, j'ai l'impression. Allez, la corde. Merci, on remonte. Salut Jamro, comment ça va? Bizarre l'ambiance dans le puits, on connaît un peu le dicton. Oh, je ne boirai. Non, c'est quoi? C'est je ne boirai pas de ton eau. Source, je ne boirai pas de ton eau, un truc du genre, non? Mais en effet, hein, vaut mieux pas la boire. C'est un peu chelou. Ouais, c'est bien passé ton début de soirée, Jamro. Hop, passe par là. On récupère des œufs. Oh mince. On perd de la vie aussi. On récupère des œufs, mais on perd de la vie, ça c'est pas ouf. Le but c'est quand même de garder sa vie. En vrai. Est-ce qu'il y avait des trucs au niveau de... Je pense pas, au niveau du sol. Ah, quoi que si. Tout bien. Jean-Mich, caméra. Ah non, mais c'est des... On s'en fout. Ah, on s'en fout en fait. Ah, mais plus tard, ouais, on sera transformé en petite créature. Hein. Deuxième... un autre trou que je vois. Je peux pas emprunter. T'as bouffé comme un sac. Ah bah c'est bien. Il y en a qui est content, moi, il y en a. Ah oh, l'autre il va m'agresser. Faut d'abord que je fasse ça. Ah, c'est ça l'attaque. Ah mais je crois que je pouvais pas le tuer, non? Ouais, je savais pas les tuer. Enfin, je sais pas comment les tuer. Est-ce que tu l'as fait, je sais plus, j'aimerais celui-là, parce que niveau de la maniabilité, hein, c'est quand même bon dans les jeux. Oh, c'est le prix. C'est des jeux de l'époque, je sais bien, mais c'est quand même pas mal. Il y a un truc à faire, à mon avis. Il y a peut-être chier, là. Mais non, je ne pouvais pas pouvoir chier avec un œuf dans les trous, à la limite, pour les boucher. Parce que si je fais ça... Je glisse. Il y a quelque chose derrière. Ah ouais, non, et puis c'est en hauteur de toute manière. Qu'est-ce que tu veux combler un vide en hauteur comme ça?
Mais il va y avoir un truc quand même pour ouvrir la hutte, hein. Quoi? Ah ouais, c'est là. Il est dans le désert, l'autre. Il est dans le désert, dans le... Il est où? Mais il est de l'autre côté. On l'avait ouvert, ça, il me semble. Il me semble qu'on l'avait ouvert. On se casse, on se casse, on se casse. On se casse. Va te faire voir le jeu. Faut vraiment que je sauvegarde plus régulièrement, moi. Tout ce que je fais, je le réussis qu'à moitié. Ce qui ne m'arrange pas. Ça ne m'arrange pas de réussir à moitié. C'est toi qui choisis, est-ce que c'est pas... Oh, je sais plus si ça apporte quelque chose de finir le jeu à 100% par le plaisir d'avoir fini le jeu à 100% quoi. Je ne sais pas si ça apporte quelque chose, hein. On va peut-être faire un dernier donjon ou je ne sais pas trop. Je sais pas, parce que là comme ça je serais pas trop vraiment le dire. Alors j'en suis où, moi? On est là. Non, tu l'avais fait à l'époque sur 64. Putain. Allez, on va recharger. Ouais, non, 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 c'est bon. Non, non, non. Laissez-nous passer. Non, on a marre de perdre de la vie pour rien. C'est pas mon... On veut pas mourir, nous. Mais ouais, mais... T'es sérieux? Faut que je fasse comme ça, là? À quel moment? J'ai pas le temps, dès que j'arrive sur le toit, je glisse. J'ai pas le temps de me mettre en casouille. Ah, ou alors, il faut que je fasse comme ça, quoi. Ce qui est pas ouf, je trouve, hein. Et si je vais sur le mur, là, je me fais avoir par les espèces de ronces et autres, là, ou des roses, les épines. Enfin, c'est quand même pas ouf, hein, de pas pouvoir avoir le temps de bien se mettre. D'en reprendre, d'en perdre. Voilà. Abandonnez-nous. Oh, est-ce que les contrôles. Ah ouais, il y a les monstres qui sortent là. C'est pas la bonne touche. Je veux faire. Tac, tac, tac. Voilà. Ah, mais si c'est que des œufs, en fait, ça sert à rien. Cette pièce me sert à rien pour le moment. Et il n'y a pas d'oiseaux. Faut retrouver ce qu'il y a. Ah, il y avait... Ouais, les oiseaux, il y avait ici... Ah, il y avait plein de trucs, là. Il y avait... un crâne, il me semble, il y avait au moins un oiseau. Un fantôme, surtout. La plume d'une oreille, on n'a pas besoin. L'oiseau, ouais. Hop, là, il n'y a rien. Il y a des notes de musique ici. Wow. Ouais. Va-t'en, monsieur. Tu es dans le chemin. Même si t'es un fantôme. Bon, ben...
Et celui-là, là, ce serait pas... Non, 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 par contre, s'il te plaît, là. Est-ce que... des œufs. Non, 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 et c'est bon, là, on est loin, là. Sois sympathique, mec. Ne nous agresse pas jusqu'ici. Non. On n'a rien vu, mais normalement, j'ai dû viser le tonneau. Qui n'est pas détruit, mais apparemment, ça fait rien. T'es sérieux, tu me touches? La hitbox, s'il vous plaît. S'il vous plaît. D'ailleurs, Vitini, tu trouves pas par moment que la hitbox dans Legend of Eternal est un peu à chier? Des fois, je me prends des coups, je me dis, mais c'est pas possible de se prendre un coup comme ça, là. Je suis à l'arrière du mob et il me touche quand même. Et puis surtout qu'ils ils font du body block. Et la roulade, bah, ça on l'a déjà dit, la roulade. Les espèces de 2 secondes de latence pour pouvoir recharger ta roulade. Non, c'est de l'autre côté. Ben oui, bien sûr. Mais reste juste là, au-dessus d'où je vais, d'où je suis. Comme ça, je me bouffe le cou. Merci, le piaf. Merci de me faire plaisir. En étant dégueulasse à ce point. Il va falloir se garder juste après. Je sais qu'on était rentré dedans, je sais qu'on va arriver au niveau de... Enfin, évidemment dans l'âtre, ce qui paraît logique, hein. C'est comme ça. Fait ce qu'il fallait, mais il faut récupérer des notes de musique malgré tout. Ah, le feu, ouais, toujours là le feu. On avait récupéré, je sais plus ce qu'il fallait trop faire, mais sur la table, on avait récupéré la note, la pièce de puzzle. Je pensais qu'il fallait pas toucher le sol, mais apparemment, ça ne gênait pas. Ça n'a pas gêné pour récupérer ce qu'il voulait, ce qu'on avait besoin. Franchement, je pensais que le sol allait grincer en allant dessus. Bah non. Ici. Les voler. Juste pour récupérer la vie supplémentaire la nuit. Ouais, okay. Ouais, encore il a raté. Oh, j'aurais pas dû. Je sauvegarde vraiment plus que ça. Ouais, la vie supplémentaire, on s'en fout largement. Allez, mais vraiment, tu vois. Je voulais quand même réussir à le faire sans toucher le sol pour voir s'il n'y avait pas quelque chose qui se passait, mais apparemment je peux pas. Je n'ai pas la capacité.
J'ai tenté cet attaque-là sur la porte de la hutte. J'ai pas l'impression. Hein. J'ai pas l'impression. Enfin, si, mais ou que ça a rien fait. Non, là, c'est des plumes apparemment. Plume. On va pas tenter. Pour le moment, on va pas tenter. Ouais, non. Tu dégages. La vie. Ouais, non, on peut pas rendre. Ah, le labyrinthe, t'es assez moche. Avec les ennemis qui passaient à travers les haies, là. Ça, c'est de la triche. T'es obligé de te faire avoir. Bah ouais, voilà, t'es obligé. Bah oui, bah deux fois de suite, bien sûr, hein, parce que tu triches, là. On adore, hein. On adore les fantômes qui trichent. Ouais, non, là par contre t'abuses, mec, trop fort de suite. Faut arrêter. Hein. Allez, mais on essaie de contourner. Ah, et le bruit en plus de ça qui te fait. Mais vas-y, sérieux, tu triches, mec. Sincèrement, arrête de tricher, c'est pas drôle. C'est drôle pour personne, hein? Même pour toi, ça doit pas être drôle de tricher et de gagner comme ça. Quel est l'intérêt? Même les abeilles, elles trichent pas, là, elles sont mal. Elles ont bien compris qu'elles pouvaient pas, elles, passer. Force à elles. Mais la porte est de toute façon fermée. Comment je fais pour l'ouvrir? Je suis venu ici trop tôt. Allez, mais tu passes à travers, hein, salopard, là. J'essaie de me libérer le passage. Salopio, hein. Non, les hauts, les... Comment on avait fait? Ah ben on pouvait descendre par là, c'est ici. Oui! Non, non, tombe pas dans la flotte. Pas spécialement, oui. Mais vas-y, le jeu, s'il te plaît, là, tu commences l'animation et tu t'arrêtes en plein milieu. Oh. Y'a rien qui va, hein, dans ce niveau. Voilà, là, tu sautes mieux. Ah non, on peut vraiment pas tomber à la flotte, elle est dégueulasse, mais d'accord. Ok, on en a 4. Mais non, mais il y avait un truc qu'on avait vu là. Des accès qu'on n'a pas, hein. Ou qu'on n'a plus. Ouais, ça, voilà. Voilà, c'est ça. Par contre, j'espère que ça aurait ouvert la grille aussi qui est devant, parce que sinon on passe pas. Parce que ça, ça.
que serpent. Voilà. Il y a déjà du Assassin's Creed avant Assassin's Creed, mais la grille est ouverte et fermée. Ou t'as ton perso qui va s'accrocher à tout ce qu'il trouve sur la route alors que toi tu veux simplement courir. Et ouais, mais comment on ouvre l'accès là? Sérieux, vos clés là, quand on en trouve aucune, ça commence à gueuler, hein. Toutes vos portes sont fermées. Alors, trouver une trappe, exploser là et entrer dans la cave. Ouais. Ah, peut-être des clés, enfin, ça serait des quoi. Tu vas pas me dire que j'ai pas ce qu'il faut, hein, par contre. Commencez par défoncer la grille devant la porte de la chapelle. Putain, je suis tapé. Oh, mais le jeu. C'était tout con. Il faut la taper dans le bon sens, je suppose. Ouais, il faut la taper dans le bon sens, ok. Oh, mais quel enfer, le jeu. Ça paraît tellement pas possible de pouvoir casser la grille métallique avec Kazooie. J'essaie de foutre un peu de logique et de rester un peu logique par rapport à la réalité, moi. Mais j'oublie que je suis dans un jeu vidéo. Fuck la logique. On a le pouvoir de casser tout et n'importe quoi. Ouais, donc ça on connaît pas, on n'est jamais passé, on avait jamais cassé les grilles. La grille. Nouveauté par rapport au live, hein. Enfin du neuf. Il y avait d'autres trucs qu'on avait déjà pas vu dans le désert, la vallée de Gobi. Voilà, le retour des fantômes, super. Sauvegarder. Oui, encore. Est-ce que j'avais vraiment envie de sauvegarder à ce moment-là? Hop. Ouais, non, franchement, ils sont relous ces fantômes. Tellement rapide par rapport à nous. Dégage, salaud, cours de mime. Semblait un peu différente. Mozand est un artiste accompli. Pourras-tu faire aussi bien que lui? Enfin, il faut que je vois ce qu'il fait par contre. Que je le fasse en même temps que lui. J'ai pas écouté ce qu'il a dit après. Je joue à nouveau, tu es grotesque. Essaie encore, tu y es presque. Ou alors je me suis trompé. Ah ouais, fallait se dépêcher. Moi j'ai attendu qu'il fasse cette partie. J'attendais qu'il fasse sa partition moi, avant de recopier, genre un Simon. Bah non. Et oui, c'est la cloche, hein, c'est le duel.
Pas mal, tu as du talent petit, copie ceci et je serai ravi. Mais c'est ce qu'on vient de faire, hein. Salut Aura, comment vas-tu? Comment ça va Aura? Celle-là? Ouais, la noire. Est-ce qu'il y en a qui savent jouer du piano? Est-ce que vous reconnaissez l'air? Moi, je ne sais absolument pas jouer du piano. Hein. Je suis absolument pas mélomane pour deux sous. Pour jouer sa partition, heureusement. On a battu Mozand. Sans nul doute, tu es doué. Oh, je crois pas. Hein. Tu as mérité ce prix doré. Mais comment je rentre là-haut? Pas le bouquin. Par ici, ok. Puis faut faire gaffe. Toi. Il y a quelque chose derrière, c'est une vie. On récupère. Bah Lang 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 lang. Ok, une de plus. Merci. Et on fait 5. On va récupérer les notes. Ouais, tu viens de battre ton total de notes pour ce monde. Bah quand on déverrouille l'accès à une zone qu'on n'avait pas encore visitée, j'avoue que ça aide à battre un petit peu le score qu'on avait. Hein. Par contre on n'a pas une assez bonne profondeur de champ. Normal hein. Enfin, normal. Ouais, il y a bien. Malheureusement. Au moins des notes de musique là, sur les dossiers. Il y a le fantôme. Ah ouais, mais il y a le fantôme là, comment je fais pour m'en débarrasser là? Les ennemis, je sais absolument pas m'en débarrasser ici, j'ai l'impression. Ils sont relous les morts-vivants. Ah, vas-y. Et puis le bruit, oh là là, c'est un peu neuneux. Hein. Tu perds pas la note. Saloperie. Ah, poupée, ça crash, ça c'est moche. Comment vas-tu, Aura, je demandais. Est-ce que tu allais bien? Ouais, non, c'est pas ce que je voulais faire en fait, c'est vrai. Ah ouais, l'autre qui arrive dans l'autre sens en fait. Je me fais cerner par les fantômes. Je sais pas si je peux les tuer. Je ne peux pas croiser les fluides vu que je n'ai rien pour le faire. Bah ça va très bien. On galère un petit peu parce qu'on est quand même sur la deuxième partie des niveaux. On est sur le niveau 7, en principe sur 9. Donc on s'approche de la fin, hein, ça devient dur. Heureusement qu'on a les sauvegardes d'état pour sauvegarder. Hein. Mais pour aller plus vite en live. Par contre, ouais, je sais pas si je peux m'en débarrasser des fantômes, vraiment. Et j'aimerais bien. Hein. Ils sont relous. Ok, 60. C'est vrai qu'il recule, hein, par contre. Passe-toi là, je dois aller cette note de musique, et vu que je la vois pas là, c'est sur le premier banc. Il se casse pas. Ils sont chiants, ils sont mal faits. Quoi de neuf de ton côté? Ça avance bien les jeux? Diablo 4 par exemple, vu que je sais que tu le fais, avant que tu l'as lancé. Et ça c'est gagné. Ouais.
Ah, puis jeu 64, hein, donc merde. Enfin, c'est dommage qu'on ait raté le saut. Si on avait réussi, on était peut-être pas trop mal. Au niveau du fantôme, pour pas être trop gêné. Ouais, sauvegarde alors. Les premiers lives, on avait fait 100, mais maintenant, on use et on abuse, hein, pour gagner vraiment du temps. Sinon, après, ça devient trop long en live. Et là, ça serait plutôt finir le jeu, enfin, finir le jeu, et non, ouais, peut-être pas spécialement un objectif de... Peut-être pas 100%, mais pas loin. Voilà, comme ça, on récupère de la vie. Et quoi de l'autre côté, on n'a pas vu. Il y a la même chose. Ok. Je vois pas. Il n'y a plus de notes de musique. Ça va pas me faire croire. Il y a un. Non, je suis sûr qu'il y a un siège où je l'ai pas pris. Ah non, mais c'est le deuxième. C'était le deuxième, non? C'est le deuxième là-bas, non, il me manque. Il me semble, ouais. Ouais, c'est ce que j'ai voulu. Non, pas changé. Le fantôme est mal passé, c'est pas grave, on sera touché. Au pire, on se fait toucher, on a récupéré de la vie, donc on est pas trop mal. Et on sait qu'il y a là, qu'on peut récupérer de la vie... ici. Ouais, mais la caméra aussi, qui aide pas... Voilà, merci, comme ça. Ouais, non, mais par contre, deux de vie, là, t'abuses un peu, mec. Oh, vas-y. Par contre, 3 de vie et je récupère même pas la note. Ça, c'est non. Il me gangbang, hein. Je suis sur des jeux en ce moment. Je prends cher. Hein. Bah vas-y, tu me touches. Au moins, tu me fais grimper, j'espère. Hein. Fantôme, là, aide-moi un chouïa. Hein. C'est un fantôme. C'est un fantôme et il me bodyblock. Comment ça se fait? Comment ça se fait? J'en ai marre des gars qui me bodyblock. Ça me saoule. Même si tu galères un peu sur Diablo, t'as changé de... Ah non, non, sur le PC alors. Sur le PC, là. T'as changé de SSD et depuis t'as installé Windows. Il te fait des petites misères. Ah, merde. Ça, c'est chiant. C'est jamais cool. Mais ouais, à un moment donné, ça va bien... Ils vont bien se régler, il n'y aura plus de soucis. Courage, courage. On va devoir réinstaller, tous les programmes. Ah, les deux premiers jours, là, les deux, trois premiers jours, c'est un peu chiant. Faut savoir s'occuper autrement. Parce que le PC, il travaille tout seul. Et c'est relou. Ansel, il n'y a pas qu'Ansel. En fait, c'est le fait que les ads d'Ansel, on les one-shot pas. Comparé au... Enfin... Tu vas me dire à la reine, aux autres boss, on avait les petits qu'on one-shotait, mais il y en avait des plus gros où il fallait deux coups. Avec Ansel, on a tous les adds, c'est deux coups minimum. Il y en a un, c'est trois coups. Enfin, ouais, donc on a débloqué une nouvelle armure qui sert à que dalle. On a une arme plus puissante qui fait pas plus de dégâts que ça. Enfin, qui de toute façon, il faut two-shoot les ennemis, ou three-shoot pour les tuer. Donc, en vrai, l'amélioration de l'arme, bah, t'as envie de dire que ça sert à rien. t'as ça, je me fais tout dire avoir hein. À chaque fois les petits fantômes qu'on sait rien faire là, on sait faut que les esquiver. Et bah, je t'ai dit la grimpette, c'est relou. En fait, c'est relou que le bonhomme, quand tu ne touches pas à la manette, il va rester à sa position, il tombe pas ou il glisse pas. Et pour descendre, bah, il faut juste, manette Xbox, faut appuyer simplement sur X pour qu'il descende. Mais j'ai l'impression qu'à chaque fois que j'essaie de grimper, enfin, soit que je grimpe, il se met toujours à hauteur pour se faire toucher par les petits fantômes qui tournent en boucle autour des 4 cadenas à casser, là. Il se met rarement, enfin, si, il se met de temps en temps bien entre les deux, mais il me fait bien chier. Et quand tu, à la deuxième partie, quand t'as Ansel entouré de tes trois fantômes, et le gros fantôme qui pop entouré de ses trois petits fantômes, tu fais t'as six petits fantômes, t'es accroché contre le mur, ton perso ne veut pas descendre, ou ne veut pas sauter pour se détacher du mur, bah tu te fais, tu perds toute ta vie sur les petits fantômes qui font bam, tu fais ok, super. J'avais full vie, j'ai perdu toute ma vie en 2 secondes. Je suis joie. Je suis joie.
Ça fait 2 minutes que je fais le combat parfait et après je perds toute ma vie en 2 secondes. Toujours la joie, ce genre de plan. Ouais, t'es sérieux? T'étais dedans, non? On est d'accord que tu veux un œuf, hein, toi? Non, tu veux pas d'œuf? Non, parce que là, l'œuf qui rentre dedans, mais qui en ressort directement. Merci, mais non, merci, hein. Pas d'œuf? Vraiment? Je peux souffrir que ça, mec, hein? Faut plein d'en vouloir, hein? Faut aller reprendre, hein? Désolé, hein? Je suis redin, hein? Oh, vas-y. C'est pour moi en tout cas vraiment un jeu biajo, hein. Et quand on dit jeu biajo, c'est un jeu où je meurs beaucoup, donc il ferait plaisir à biajo. Sincèrement. Je te dis, hein, je te l'ai dit, le deuxième boss, j'ai passé plus de 6 heures dessus, sincèrement, vraiment. Vraiment. Alors, on n'a pas d'aiguille. Pas Big Ben. Ah, on s'en fout en fait. Ah, on peut rentrer dedans aussi. Ah, pour aller en haut, d'accord. Il y aura peut-être. Ok, il y a bien quelque chose. Oh! Aïe 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 aïe. Bon, c'est pas grave. On va faire ça, ça sera plus simple. Bon, on perd pas de vie comme ça. De toute façon, faut regrimper. Allez, grimpe déjà sur la pierre tombale. J'ai pas le skill hein, sur ce. Enfin, j'ai pas vraiment le skill sur ce jeu en fait. Ou ce genre de jeu. Enfin, ce genre de jeu. T'es bien plus doué que moi là-dessus, hein, clairement. Parce que toi, tu le fais en plus de ça sans les améliorations, donc avec 10 en poche d'éther. Moi, je suis quand même à 30. Je peux me soigner 25 fois. Enfin, 25 fois, non, c'est important. Je peux me soigner plusieurs fois par combat et je galère vraiment. Hein. Malgré que je puisse me soigner. Hein. Tu sais pas combien t'as de. Bah, je suis à 30 moi du coup. Je peux. Chez le max. 30 c'est le max. Pour si tu veux savoir l'info. Mais non! Bon, moi. J'ai pas perdu ma vie. Mais le perso, tu t'approches du bord, il grimpe dessus. Puis c'est pénible. T'as une grosse barricade qui est plus haute que toi, tu tombes encore. Mais comment tu fais le jeu? Comment fais-tu, Banjo, pour tomber? Tu n'es point censé tomber avec cette barricade qui est aussi haute que toi. C'est impossible, normalement. C'est clairement impossible et tu le fais. Fuck la logique. Fuck la logique. Sincèrement, regardez là, la barricade est plus haute que moi, je tombe. Comment je fais? Non mais, te fous pas de ma gueule, récupère la note de musique quand même. Putain, mais je veux juste avancer pour récupérer une note de... Oh, va te faire voir. Tant pis. Une note de musique qui est sur le bord, normalement avec ton gros bide, tu la touches et tu la récupères. Ah, oh, cette ours, je te jure. Faut tout lui expliquer. Faudra lui montrer comment on fait un bid à bière. Sans boire de bière. Ah ouais, mais non, par contre, je perds pas de PV comme ça. Mais si tu lui balances 4 bombes comme un cochon en farmant le jaune avant de casser le dernier cadenas. Ouais, peut-être tente. Il repop les ennemis après? Avant de détruire le dernier cadenas? Et je suis pas sûr si je peux lui balancer 4 bombes, soit d'affilée ou que ça le tuerait.
Enfin, j'ai pas le temps de voir les dégâts que je fais en fait avec une bombe. Je suis tellement dans la, enfin, un peu dans la panique et dans le que je vois pas ce que je fais. J'ai trois soins. Oui, j'ai trois soins. Ouais, mais je suis un... Et encore, ça me suffit pas. Hein. Enfin non, c'est pas que ça me suffit pas, c'est que par moment, en fait, je suis à trois vies. Enfin, 3 points de vie, donc je me prends une à un coup, on tombe à un point de vie, et c'est à ce moment-là qu'il faudrait se soigner. Sauf que c'est à ce moment-là que je me prends 2, voire 3 coups en 2 secondes, donc j'ai pas le temps de me soigner. C'est au moment où je dois me soigner que j'ai pas le temps. Parce que je me fais enchaîner. Je te dis, à un moment donné, je me suis vraiment pris genre 4 coups en 2 secondes. Je me suis pris fantôme, 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 et genre, non, fantôme, fantôme, un coup, puis un fantôme. Je me suis dit, mais va te faire voir! C'est pas normal. Il y a un moment donné, il faut avoir des frames d'invulnérabilité, le jeu. Je me fais vraiment à chaque fois gangbang. C'est ça qui te ralentit, le manque de stock. Bah ouais, tu perds des PV trop bêtement à tourner en rond. Non, le stock, ça peut encore aller. Puis, sauf que par moment, mais c'est juste. Enfin, non, c'est le skill en fait. Ouais, il respawn. Je suis obligé de le faire respawn, sinon tu sais. T'aurais pas assez d'éther, il t'en manque. Ah, il t'en reste que un ou deux. Aïe aïe aïe. Ce qui est dit sur les chargements, on n'a pas d'invincibilité. Mais j'ai pas l'impression, enfin, ou alors l'invincibilité, c'est 3 frames. C'est vraiment 3 frames et du coup, tu te fais toucher. Et tu te refais toucher dans la. Non, sincèrement, moi je me refais toucher dans les 2 secondes. Hein. Vraiment. Je fais bam 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 bam. Je suis ok, va te faire voir. C'est que j'ai vraiment fait style une première partie, enfin non, un début de première partie correct, enfin nickel, et après, ok, d'accord, ça ne veut plus, ça ne veut simplement plus. Ok, qu'est-ce qu'on fait avec toi? Ouais, ok. Mais je vais pas récupérer la vie, j'en ai pas besoin. Toi, tu vas bouger, clairement, non? Pas du tout. On peut vous casser, vous? Non, vous n'avez pas l'air. On va tuer les ennemis, hein. On va être tranquille. Il y a plusieurs vases, faut faire un truc avec les vases. Ou avec cette tombe-là, là. Enfin, qui n'existe pas. Emmener des fleurs, peut-être aussi, quand on sera transformé en créature, ça sera peut-être à ce moment-là. Il y a combien 76 notes? Les deux tombes ici, on a regardé, ça se passe, il n'y a rien qui se passe. Comment j'accède à la. Par ici. Voilà, on va être transformé en je sais pas quoi. Une espèce d'araignée, ou souris, ou j'en sais rien. En créature antique. Antique, avec un H qui te hante. Hein. Une créature honteuse. Ouais, je les ai, t'en fais pas. Je vais voir s'il y a quelque chose en haut. Mais il n'y a pas l'air. Pour une fois, il n'y a rien. Ah, c'est une plume dorée. Ouais, c'est ça, on est invulnérable une mini-frame. Ce qui n'aide pas. Je devrais par moment te montrer mon. Enfin. Mon talent. Tu verrais. C'est horrible. C'est honteux. Bah, ah oui. Ouais, mais... Enfin, ouais, il y a de la. Ah, une bombe. Non, un petit rond. C'est de la panique ou je sais pas. Hein. Mumbo fier du sort citrouille. Moi, faire une bonne soupe. Aïe. Alors, on va sortir par ici. Est-ce qu'on fait un truc dedans ou pas maintenant? Il y aura un truc avec les fleurs ou je sais pas, non? Il y a plusieurs pots, non? Il y a clairement un truc avec les pots. Quoi? J'en sais rien. Alors, qu'est-ce qu'on avait vu? On a vu deux trucs à faire au moins en citrouille.
Il y a ce qu'on voit. Merci, la caméra. Ça. Ça, j'ai dit. Voilà, merci. Ah, peut-être dans le puits, mais je sais pas si je peux retourner dans le puits. Il y a des trucs qui ressemblaient, mais peut-être pas. Allez, on peut remplir la zone, non? Non, ce trou est passé par le trou dans la haie derrière la chapelle, non? Ah ouais. Sur le... Il est sur le manoir? Faut de la gueule. Parce qu'apparemment je dois aller via les... Bon, j'y vais dessus. Je dois tomber. Bon, je monte dessus. Tout mal le jeu. Quel moment je monte. Non, mais on a récupéré le truc du puits, là, on a réussi à le récupérer en Banjo et Kazooie, normalement. On l'avait fait lors du premier, enfin du dernier live, ça. Il me semble. Donc, oui. Non, mais le puits, il est pas de ce côté, putain. Ça. Il y a un trou derrière la chapelle. On est d'accord que c'est la chapelle, ça. Ouais, ça, il faut que je peux casser. Il y a un trou. J'ai pas vu le trou, là. Non. Non. Ici, putain, c'était où? Ah non, on aurait peut-être parlé au fait collectivement avec le puits finalement. J'ai rien vu, hein. Je sais que je suis aveugle, mais quand même. Ici, la cabane, ouais, la cabane, genre, je vais retenter un truc en Banjo et Kazooie pour détruire la porte. Je suis en train de tenter quelque chose que j'ai déjà fait. Merde, on avait réussi à la récupérer en Banjo Kazooie en rentrant par dans le seau vu qu'il est ouvert par le haut. Il y en arrive où ici? Ah, l'entrée était là, ok. Ah, c'est peut-être ce trou-là qu'on avait vu, alors. Comment tu veux que j'aille sur le manoir? Il était pas très clair, le jeu, hein. Ah oui, non, peut-être... Alors là, il n'y a pas une espèce avec l'autre. Ah, ou dans la... Est-ce que je peux passer par la porte d'entrée et passer par la cheminée?
pour arriver sur le toit. Avec un peu de chance, je peux. Ce qui me permettrait de... d'arriver sur donc le toit et rentrer dans la gouttière. Bam 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 bam. Ah non, d'accord. Je fais avoir. C'est la baise. C'est pas une que j'apprécie. Quand tu nous demandes sur le toit en citrouille. Retourner sur le manoir toujours en citrouille. Je veux bien, mais tu m'expliques. Laissez-vous tomber dans la gouttière ouverte pour récupérer la pièce. À quel moment? Si on pouvait se transformer à n'importe quel moment de banjo en citrouille ou de citrouille en banjo, je veux bien. Ouais, il faut que je fasse d'autres choses avant. Mambo a été fier de son sort, mais il m'aide pas trop. J'arrive pas à voir ce que je veux. Galère. Même avec une soluce. Si je pouvais sauter à la limite et me balader là-dessus, à la limite je veux bien, mais j'ai pas l'impression, non. Ou alors il y a un truc que j'ai pas fait sur le manoir en Banjo-Kazoo pour pouvoir repasser en citrouille. C'est peut-être possible, hein. C'est des fenêtres là, on l'a tous fait déjà. Ah ouais, j'ai pas retenté la fenêtre que je voulais en citrouille aussi. On va où là en tout. Citrouille, hein, clairement. Il faut entrer dans la chapelle. Putain. Ouais, revenez en citrouille. Se débarrasser du squelette là par contre. Ah, ça fait longtemps que j'ai pu sauvegarder moi. Alors Burp, tu es trop gros pour entrer dans la bouche de Logo. Ah ouais, donc ça veut dire qu'il faut que j'y retourne en citrouille. Enfin, je vais tout faire en citrouille.
doit tout faire en citrouille. Passer par le trou dans la haie, derrière la chapelle, monter sur la haie, puis sur le manoir, entrer dans l'une des chambres. Ouais, bah oui. Et oui, c'est effectivement. La chapelle. Le trou derrière la chapelle. Fous-moi. Okay. Bon, donc on est d'accord, comme ça je monte sur la haie qui est genre là. Ah là! Merde. C'est de ça que tu parles? Je détruise des choses, je fasse des raccourcis alors. Ok, le trou il est là, oui, d'accord. Ça va. On avance. Oh, t'es sérieux. On avance. Ça, ouais, c'est dans ce sens-là, celui-là. Ouais, et puis j'ai l'impression qu'il faut être aussi au bon endroit pour quitter la grille. C'est pour ça que j'y arrivais pas de départ avant. Je tapais peut-être pas au bon endroit. Hop. Ouais, tu files manger, bon appétit Vitini, merci d'être passé. Hein. Bon, ben, j'espère qu'elle sera bonne, ouais. Et qu'elle sera là demain. Ça m'embêterait. J'aimerais bien quand même commencer ce RE5. On va recommencer depuis le début, enfin on n'a rien vu. Je vais faire comme si le live d'hier n'avait. Enfin de ce matin n'avait jamais eu lieu. On va refaire supprimer le début de sauvegarde qui m'a fait pour recommencer propre. Mais on croise les doigts en effet. Putain le trou, il faut le voir. Ça se trouve je l'avais vu. Alors. Ok, il y a ça déjà qu'on récupère. Alors on a dit là. Pas du tout. On va récupérer ça. C'est pas où ça va nous emmener les toilettes. Et bon appétit et bonne soirée. Hein. Alors, bon voyage, petit bonhomme. Fidèle. Ok. Wow, 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 wow. Il n'y a pas de pièce. Enfin, si, la pièce en a eu, il n'y a pas de notes. Je me trompe à chaque fois entre les notes et les pièces. Apparemment, il n'y a que ça. Hein. Alors, on s'en fout. On les a déjà, les plumes dorées. On n'en a pas besoin. Tu as osé aller là-dedans? Va te laver, gros dégoûtant! Si bien c'est que là, je peux directement enchaîner avec ça. Et voilà, on l'a comme ça. Tac, ça c'est fait. En principe, j'ai fini avec la citrouille. Qu'est-ce qu'on peut faire? Non, lui par là. Ah, ils aiment bien les petits bruitages en banjo. Hein. Ah oui, il y a le piaf là. Je crois qu'il y a une erreur. Hein. Oh,
sur le lit d'une des chambres du deuxième étage. Ça, on n'a pas fait par contre, ça me dit rien celui-là. Dans le labyrinthe, on l'a eu, et dans un tonneau de la cave, non, on l'a eu, là. Ça doit être les chambres hein, qui te trompent le jeu. Quand t'as dû inverser deux aux yeux, j'ai l'impression. Ah, à moins que ce soit ça. Ouais, c'est peut-être ça, ta chambre, c'est ici. Ça se trouve. Ah, mais si, ça... Déjà fait ça, bonjour. Entrer dans la cabane près de la chapelle. Ouais, le pot transparent il est plus là, donc ouais, on l'a fait. Et faites Banjo-Kazooie. Avec le fantôme qui voulait le mob qui tournait. Y a rien d'autre au niveau du plafond ou autre. Non. Non, c'était fait. Enfin, c'est le labyrinthe, alors il y a encore des petits trucs peut-être. Il y a des fenêtres encore là-haut que j'ai pas vu. Ah mais oui, ces fenêtres-là. Peut-être moyen de... Bon, quoi que... Ah si. Non, s'il te plaît. Reste là. Oh, t'étais petit été. Ah, t'avais réussi. Ah, pourquoi tu ne restes pas quand tu réussis ce genre de mouvement. D'accord, il y a un moment, hein. Je me rappelle pas de tout ça. Ok, t'es là. Ouais, ça on avait pas visité non plus, hein. Et salut Canu, comment vas-tu? Donc on va voir un Zozio ici, normalement. Ouais, t'es sérieux. Ouais, t'es sérieux, heureusement que je viens de sauvegarder. Je le sentais. As-tu passé une bonne journée? Voilà, c'est ça qui devait se passer normalement, hein, le jeu. J'ai pas compris ce qui s'est passé, vraiment. Faut que tu m'accordes pas ce que j'ai demandé. Ok, t'es bien là, toi. Et c'est le... Ah, mais il est doré, celui-là, il est jaune, en fait. Ah, mais le vert, c'est le deuxième. Putain, je suis rouge. C'est vrai que je suis daltonien. Donc, ouais, non, ça va, il avait raison. Ah, il y a encore un fantôme. Il tout dit, un fantôme. On adore les fantômes. On adore les fantômes dans le jeu. C'est faux. C'est faux, bien sûr. On préfère des... On n'aime pas les bonhommes de neige non plus, ils sont pas sympathiques. Ah, prenez ça le tableau des fantômes, gna 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 gna, ça ne sert à rien. J'ai plaisir. Il y a un truc derrière, mais c'est une plume. Je pense pas qu'il y a un truc avec le coffre. Je pense pas qu'il y a un truc avec le coffre, on se casse. Je tiens ma vie. Tu vas bien? T'as passé une bonne soirée? Hop. Est-ce qu'il y a une chambre de l'autre côté, du coup? Bah oui. Normal. Voilà, on n'avait pas été non plus. Avec des notes de musique. Ce qu'il nous fallait. Peut-être pas autant qu'il nous faut, par contre. Oh, quoi que si. Alors, y a-t-il encore un tableau? J'ai pas l'impression. Non. Voilà, on va voir les 100 notes de musique, ça c'est cool. Ouais, tu as trouvé toutes les notes de ce monde, bravo. Mais, bon, on va sauvegarder. Il nous manque malgré tout deux pièces de puzzle, c'est ça? Une? Ouh, une! Nous on avance, oui on avance ouais, plutôt bien sur... enfin on avance en tout cas sur Banjo et Kazooie.
c'est fait. C'est fait. On a mis devant la porte de la chapelle. Hein. Ouais, on a fait. Sur l'arbre le clocher de la chapelle. Ouais. Ah bah oui, pondez des œufs dans les pots vides autour de la chapelle. On avait tenté, hein, le jeu, il a pas voulu nous... Il avait pas voulu hein, les accepter, hein. Mais je me disais bien que c'était ça, de toute manière. Hein. Ça semblait logique. Avec autant de pots qu'il y avait un truc à faire avec eux. Par contre, faut juste peut-être bien se trouver. Il a pas vouloir, il a pas l'air de vouloir aller prendre bien. Sont le mais faut vraiment être au bon endroit quoi. Ouais, tu te mets juste devant, ça peut être mieux. Thank you. C'est ce qu'il dit. C'est sérieux. C'est vraiment sérieux le jeu, à chaque fois. Comment tu veux que ça soit maniable quand tu bouges de 15 degrés, que t'arrives pas à bien tourner le quelques petits degrés qui te faut? Non, tu fais trop, donc tu t'es jamais dans le bon. C'est un peu chiant, mais c'est les jeux d'époque, hein. Si... Faut s'adapter, malheureusement. Bon, bah, tu m'as rendu l'œuf, c'est déjà sympathique ça. Là, je sais même pas si je l'ai récupéré, j'ai pas vu. Courte, disons que finir le boulot à 20h. Ouf, oui, non. Caméra qui bouge au dernier moment, j'adore ça aussi. Le temps de rentrer, de manger, sortir le loulou, il est déjà 22h, bah ouais. Courte soirée en effet. C'est dur ça. Allez la caméra par contre. Mais et tu la commences à quelle heure pour terminer à 20h ta journée? Non, tu m'as rendu l'œuf plutôt. Tu ne l'as pas accepté. Tu m'as encore rendu. Tu peux l'accepter, hein. Ça serait presque à enregistrer le son du thank you. Thank you, là. Ah, tu reçois un sub. Thank you. Voilà, effectivement. Non, tu commences pas le boulot à 18h pour le terminer. Tu commences à 18h pour le terminer à 20h? Parce que c'était ma question, hein. Quelle heure tu commences ton boulot, hein? Bon, après, je sais pas ce que tu fais non plus. C'est peut-être possible, hein, évidemment. Mais ça fait que tu... Bon, ouais, non. Ah ouais, mais il faut réappuyer là-dessus pour choper ça. Pour rentrer à chaque fois dans la chapelle. J'ai essayé de faire un truc, voilà. C'est relou, moi, je crois. J'avais espéré qu'une fois fait, c'était fini. Que t'avais plus besoin de le refaire. Je vais quand même tenter un truc.
je vais un peu vu où il est. Hop. Caméra, merci. Tu commences à 18h. Ah ouais, oui, dans les nettoyages, oui, c'est vrai. Donc effectivement, ouais. Et service, tu fais aussi peut-être service hein, le matin. Écoute, service coupé. Complément de ta rente invalide. Rente invalidité. Ok, ouais, d'accord. Ouais, mais tu commences quand même tard pour, enfin, après le boulot du coup, pour, après le boulot des gens, pour nettoyer. Ouais, c'est un peu normal, enfin, je comprends que tu termines tard du coup, vu l'heure à laquelle tu commences déjà. C'est pas comme si t'allais nous commencer déjà, même ne plus que travailler à 9h du matin pour finir à 20h là, ça serait vraiment moche ça. Ok, c'est ça qu'on veut. On va sauvegarder. En tout cas, courage, hein, courage pour la soirée. Alors, nous, on va aller là-haut. Oh, il y a même ça ici que j'avais pas activé. Comment j'y vais là-haut? On active des trucs, on sait jamais y accéder. C'est pas exactement ça que je voulais, moi. Moi, ouais, ça doit être un truc là-dessus. Oh ouais, il y a l'ennemi, il y a un ennemi. Voilà, bah celui-là on aura fait un monde où on aura récupéré. Oh! Oh, violent le chute. Oh, violent, c'est pas grave. On a quand même perdu 4 points de, 4 points de vie sur les 6. Oh, c'était très violent. Hein. Oh, on récupère des gens. Hein. Je m'en fais mal, hein. Non, je m'en fais très mal. Mais on a terminé ce niveau-là et même à 100%. Prêt? Ouais. On a des points de vie si jamais. Une des fenêtres là, du deuxième. On a tué les boss, les monstres, on n'a pas pris les PV. J'ai plus la queue des chambres par contre. Oh, allez, caméra. Oh, allez, mais. Oh, Banjo, Kazooie, faites des efforts pour aller là où je veux. Est-ce que. Non, non, non. Est-ce qu'on en a laissé là des points de vie? Non, parce qu'on les a. Non, lui on l'a pris. C'est le pété, bien sûr. On récupère avant de sortir. Bah, en tout cas, profite du peu de ta soirée que tu as. Non. Ouais, je le savais. Je l'ai dit, non. On va bien récupérer des PV quand même avant de partir au prochain monde. Je ne sais même pas où il est d'ailleurs. Je dois avouer. J'en ai aucune idée. Voilà, on va m'en récupérer du PV supplémentaire. J'ai aucune idée du vol suivant. Génial, ouais, hop, c'est mon meilleur score. Il y a un truc qui est quoi par là. Je sais pas s'il y a vraiment quelque chose en vrai.
Bon, si on peut faire ça du coup, vu que ça me semblait pas intuitif dans le niveau, on l'a pas fait à l'extérieur du niveau. Par un peu logique. J'ai l'impression qu'il faut être transformé pour passer. Une fois, on se fait avoir. J'ai de la vie. Suite de niveau là pour m'aider à trouver la. Oh, pff. Et si on tirait? Non, on tire trop par rapport au trou. Non, mais comment ça? 4 plumes dorées. J'ai jamais utilisé, j'en avais 10. J'ai rien fait, j'ai pas utilisé. D'où tu m'en as retiré 5 là, la compétence me retire pas autant quand même. Le jeu il triche, hein. J'étais à 10 plumes dorées tout à l'heure. Ou c'est quand je suis mort? Tu me remets pas tout? Oh le jeu. Ouais, mais on a des infos de Grand Type d'or. On venait des cordes. Je sais pas où le suivant. Sans vu l'heure, on va bientôt arrêter. On devrait arrêter même. Oh mais t'es sérieux, mais il faut y être en quoi là? Pourquoi tu sais pas faire des trous en mataille? Charge. Pas besoin. Charge. Je sais même plus où était le... l'interrupteur du niveau. Je retiens pas le hub. C'est le hub le niveau le plus dur. En vrai. Il est tellement grand finalement. Je retiens absolument que dalle. Bon, on a un truc là au-dessus dans l'œil. Je sais pas comment on y va. Il me semblait qu'à un moment donné, durant le live ici, non, je n'aurais pas de cet angle-là, on avait ouvert un truc tout là-haut. Mais que tu n'es plus ouvert et que j'ai pas pu récupérer ce qu'il y avait. Donc encore une fois, le jeu tu triches. Et ça, c'est pas cool.
clairement un truc plus haut, normalement qu'on peut ouvrir. Il me semble. Là, il y a des trucs avec le chaudron ou avec ça, mais je sais pas comment je m'en occupe. Il va falloir que j'en garde sur internet. Oh, mais c'est ça, simplement comme ça. Mais je m'énerve à être débile, à pas tester des trucs logiques et simples. Oh, par contre, là, les œufs qui font un. Mais allez, la vie, là! Ok, ça c'est fait. Donc je sais comment récupérer ça maintenant. Je vais juste réussir à le faire. Il y avait une vitre, j'ai mis du temps avant de le capter. qu'il y avait une vitre. Bon, je pense qu'il n'y a rien de l'autre côté. Il y a quoi de vite fait dans le chaudron? Ah, mais c'est pour me transformer en ce que je dois me transformer. Il vient d'activer un chaudron magique. Trouve un chaudron de la même couleur pour créer un raccourci. Et c'est que le premier que j'ai là? Enfin, ou de cette couleur là en tout cas. Ouais, j'en ai qu'un. Ok. Vite fait, si on regarde le niveau ici, ça c'est hop, c'est fait. Ah, mais y'a. Okay, là. C'est peut-être par là qu'on a. Mais là aussi, il y a des trucs à faire, du coup. Oh, un nouveau monde s'offre à moi. Incroyable. Tu viens d'activer un chaudron magique. Trouve un chaudron de la... Putain, je viens de trouver deux chaudrons de couleurs différentes en 2 secondes. Sérieusement, là. Comment j'ai fait 4 lives sans... Enfin si, mais je les ai trouvés, mais je les ai pas activés, alors. Ouais, un truc avec ma tête, elle préfère faire la fête. Ah, mais je pourrais aller là grâce à ça. Ah, ou alors c'est ça que j'ai activé. Il faudrait que je retente ça vite fait. On voit que dalle. C'est con que la plateforme là de. Elle reste pas. Je sais ça. Au moins que je m'arrête en étant en haut. Sinon, dans 2 semaines, j'oublie. J'y repense plus. J'y suis, j'y pense, je le fais. Après, faut
C'est vraiment dommage qu'elle reste pas, quoi. Tu prends pas les bottes. Bah ouais, mais tu t'arrêtes avant, là, t'as encore une seconde ou deux et tu t'arrêtes. Comment ça se fait? Mais prends les bottes, merde, le jeu, quand même. Fais un effort, bonjour. Comment tu fais pour être aussi naze? Mais... Putain, il time les trucs trop courts, hein, j'ai même pas eu le temps, alors que j'étais dessus, d'activer la plateforme. Oh, ça c'est mort, tu vois que dalle en plus de ça. Avec la caméra qui est du mauvais côté, tu vois pas la porte, l'entrée que tu dois prendre. J'ai activé le... Non, c'est pas ça non plus qu'on veut faire, mais c'est pas grave. Je reviens sur mes pas, là. Ah, il faut rester en vol pour aller là-haut. Non, merde. Rester en vol. Enfer. Ok, le truc, il est toujours là, mais il est plus beaucoup plus haut que ce que je pensais. Je pensais pas qu'il était aussi haut. Voilà, effectivement, il est toujours bien là, lui. Je le voyais pas aussi haut. Ça va, là. Du coup, on a un au niveau de... des pyramides. On a vu le puzzle, mais... on sait pas comment. Ouais, non, mais par contre, là, le jeu. Je suis en train de me relever. Tu peux ne pas m'agresser à ce moment-là. Que j'apprécierais. Il doit y avoir des chaudrons, des étages bien en bas. Pour pouvoir remonter ici rapidement. Sauf que moi, j'ai activé ceux d'en haut avant d'activer ceux d'en bas. Parce que je suis comme ça. Ouais, faut grimper là. Vite fait là. Notre-Dame salle inondée, celle où se trouve le puzzle du manoir. D'accord que c'est ici, c'est la première, hein. Non. Toujours jouer est insupportable. Je déteste ton petit cartable. Mais arrête de regarder le live. Alors si tu n'apprécies pas, je suis un peu triste. Mais tu n'apprécies pas mon live. Run Tilda. Après, si tu n'apprécies pas, je te force pas non plus. Hein. Faut pas oublier ça. À un moment donné, faut partir les gars. Si vous n'appréciez malheureusement pas ce qu'on vous propose. Ok.
Attends, donc on est revenu là où il y a le puzzle du manoir. On l'a bien vu, le puzzle du manoir. Il est là-bas. Attends, une fois que vous avez activé l'interrupteur d'élévation de niveau 1, allez dans la troisième salle inondée où se trouve le puzzle du manoir. Vous pouvez maintenant atteindre la petite grille. Oh, on n'a pas activé l'eau, c'est ça que tu es en train de me dire. Mais il est où ton acti... Oh merde. La grille est là, défoncez-la, suivez le chemin et allez au niveau de la ruche. Oh, je sais pas où c'est. Bah, je sais pas où il est, tu ne l'as qu'une fois. Tant pis, on va s'arrêter là. On va s'arrêter comme ça, peut-être en le regardant, on se souviendra. Il faudra surtout que j'aille voir sur internet comment on, où on active le bousin. Parce que j'ai aucune idée. J'ai aucune idée. Voilà, c'est fini pour Banjo et Kazooie. On aura pour nos jeunes de 45 minutes pour vous faire plaisir. Ouais, Google sera notre ami. Pour vraiment voir au moins on active. Hein. Pour terminer. Enfin, faire du coup. Attends, on a quoi? On a celui-là, il est fait. Donc, on aurait la baie du Rusty Bucket. On a encore le bois clic-clac. Deux niveaux. Et après, on aura donc le trivial poursuite, le jeu avec tout plein de questions. Il y en aurait peut-être encore des trucs derrière. Ouais, non, il y a encore des petites choses à faire. Hein. Voilà. J'espère en tout cas que ça vous a plu ce live Banjo et Kazooie. Il y a encore des lives hein, cette semaine. N'oubliez point. On a demain après-midi Duc de la Rose qui sera sur Céleste à partir de 12h30. Et on aura Cypher le vendredi sur Assassin's Creed Mirage à partir de 18h. Et dimanche à partir de 14h, on a Dissipt, Noël, Zorino, peut-être plus Waramichi du coup, je ne sais pas. Il sera là pour du The Forest. Sur ce, donc n'hésitez pas à repasser sur la Club TV, évidemment, de voir les lives, voir ce qui sera proposé, les aventures des collègues. Sur ce, je vais vous emmener en raid chez Jamro qui est sur du Dragon's Dogma Dark Horizon, un jeu qui est dans l'abonnement PlayStation Extra de chez Sony. Il est en difficile, mais il est sur sa deuxième partie où il va pouvoir up ses persos un peu plus comparé à la première. Sur ce, bonne soirée, bonne nuit, reposez-vous bien, bonne fin de semaine, et merci d'avoir assisté à ce live. Bien sûr, ça fait extrêmement plaisir. Par contre, apparemment, j'ai réussi à tout enlever d'ici. Je vais pas pouvoir lancer le raid si je n'ai plus accès au live. Je sais pas comment j'ai fait. Non, je vais pas mettre par contre ça. Il faut mettre Jamro. Le son, tu te tais. On va retrouver Pilo dans le jeu cool. Ah, pas tout de suite. Hein. Non, pour le moment, c'est des jeux dégueulasses hein, de mon côté et autres. Mais plus tard, oui. Comme j'ai dit, Pumpkin Jack, et après on verra pour les prochains jeux. Bye bye, à plus. T'inquiète, j'en ai que 8. Là, il m'en faut 20. Mais tant que ça. Et re-pilo. Merci pour le raid. Ça va, ça a été cette fin de session sur Banjo-Kazooie. Coucou chevalier. Je ne tue pas Pilou dans le jeu. Mais moi je ne tue pas Pilou dans le jeu. C'est Pilou qui se tue lui-même.
Filmons du manoir. Ouais, bah j'ai suivi un petit peu de loin en lurking.